Saturday, the 25th of July, 2020. You're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Good afternoon, Sidoine. Bonjour, Gladys. You have the headlines. Dans l'actualité, ce samedi 25 juillet, la communauté africaine célèbre la journée des mers et des océans, des espaces de vie importants pour l'écosystème, mais malheureusement menacés par l'action de l'homme. À suivre dans ce journal, le plaidoyer du Cameroun porté par le ministre de l'Environnement et les pierres. Également dans l'actualité, la lutte anti-Covid-19 ne ralentit pas. Les opérations de sensibilisation se multiplient dans les lieux de forte concentration humaine. Nous irons voir cela de près dans quelques marchés de la cité capitale et puis en page magazine du 12h. Nous vous conduisons sur les hautes terres de l'Ouest, précisément dans la localité de Bamungon. C'est dans le département des Bambuto. Ce groupement s'apprête à vivre un moment important de sa culture. Il s'agit du festival Machon. Nous irons vivre l'effervescence des préparatifs en page magazine du 12h. Voilà pour les titres. Each of us must comply with the measures that have been taken. Thanks for joining us. We begin with this story that occurred over the night. Firefighters in Yaoundé have put out a fire that erupted in one of the departments of the General Treasury around the Central Post Office. The building ravaged by fire is the section in charge of the control and processing of accounts. A day after, the Minister of Finance, Louis-Paul Mutazé, has made a stop at the site to assess the damage caused by the incident last night. Now on to something else. Good ocean policies can unlock new sources of wealth and transform Cameroon's security development and governance. In line with these, linked to the African Day of the Ocean Pollution, the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development is seeking solutions to ocean pollution in Cameroon. Alice Mbey reports. Officials from the Ministry of Environment attending a video conference with the Director Generals of the Douala and Kribi Sea ports. This is in commemoration of the International and African Ocean Pollution Day, holding under the theme Innovation for a Sustainable Ocean. The choice of the team will promote and improve the marine scientific research to meet up our needs. Experts say about 20% of the ocean in Cameroon has been polluted, affecting the society negatively. We have close to trillions of particles of plastic in our oceans. And the level of Cameroon, about 10,000 metric tons of plastic in the ocean. The Ministry of Environment is out to seek solutions on how to stop ocean pollution and improve on the quality of seawater. There are many activities carried out to protect trees in order to curb erosion. The project to solve ocean pollution in Cameroon has been under gestation since 2015 and is expected to go operational by 2021. Now on to information reaching us now in the studio, Professor Jacques Famdongo, who is actually the Minister of State, Minister of Higher Education, is about now chairing the defense of a doctoral thesis on Le Cinéma Documentaire en Afrique Noire Francophone, Questionner la Transmission by Dieudonné Assogué-Alaka at the University of Yaoundé 1. The candidate supervised by Professor Bole Butaka and Donatus Fai Tangem is gunning for a PhD in performing arts and cinematography. We will give you updates of the scores and as well as highlights of the defense in our subsequent news editions. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Lendemain d'incendie à la trésorerie centrale à Yaoundé, le ministre Louis-Paul Mutazé est descendu ce matin sur le lieu du sinistre. L'incendie s'est déclaré la nuit dernière. L'aile arrière et la guérite ont été touchées par les flammes. Nous tentons immédiatement de joindre sur place notre reporter Eric Launa en direct de la trésorerie centrale. Bonjour Eric, quelle dernière nouvelle de ce côté?
Bonjour Nadège, merci de nous rejoindre ici à la Trésorerie Générale au lendemain de cet incendie qui s'est déclenché entre la nuit de vendredi à samedi. En ce moment, le spectacle qui se présente, c'est cette image des décombres et ce bâtiment 6 qui abritait les services informatiques de la Trésorerie Générale. À l'heure actuelle, il est très tôt d'avancer une éventuelle cause qui serait derrière cet incendie. À l'heure du bilan également, il est très difficile d'évaluer les pertes qui seront concourues notées derrière cet incendie parce que précisément dédié à l'informatique, les dégâts sont principalement liés à un aspect matériel. Ici, à la Trésorerie Générale de Yaoundé, Eric Laounaouna, Siartim News. Merci à vous Eric Laouna et on reviendra sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Et dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, mesdames, messieurs, préservation de l'écosystème. Ce 25 juillet marque la journée africaine des mers et des océans, occasion pour les gouvernements de renforcer la sensibilisation des populations à préserver ces espaces de vie de plus en plus menacés par l'activité humaine. C'est tout le sens donné à la conférence de presse organisée hier à Yaoundé sous la conduite de et les pierres, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Compte rendu, José Gaëtan Changa. Une visioconférence pour trouver la meilleure formule dans la préservation des fonds marins au Cameroun. Le ministre de l'Environnement et les directeurs généraux des ports autonomes de Kribi et de Douala travaillent en synergie pour des océans de moins en moins pollués. Nous avons pour de long cours moyen terme, c'est-à-dire 2021-2023, pensé mener des actions d'envergure pour lutter contre la pollution de l'air, la pollution marine, et ça fait partie de nos actions. Mais également, la gestion durable des côtes, c'est également un point très important qui constitue un programme que nous allons donc suivre. Et pour du sinon au quotidien, ça fait partie de nos programmes, sans oublier le côté développement durable aussi. Selon les experts, 20% des fonds marins et océaniques du Cameroun sont pollués. Le gouvernement appelle à une prise de conscience des populations sur la sauvegarde de ces espaces. Avant l'ère industrielle, les océans arrivaient à absorber le carbone émis. Mais depuis lors, avec les activités humaines, le carbone est devenu plus important. On n'arrive pas à contrôler ce qui explique le changement climatique. Le thème de l'édition 2020 de la Journée africaine des mers et des océans est « Innovation au développement durable des espaces maritimes et des installations portuaires au Cameroun ». Et précisons dans la suite de ce journal qu'il y a soutenance publique actuellement à l'Université de Yaoundé 1 en vue de l'obtention du doctorat PhD en art du spectacle et cinématographie quand le candidat Dieudonné Assoumnié Alaka a présenté les travaux sur le cinéma documentaire en Afrique noire francophone, questionner la transmission. Le jury est présidé justement par le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. And since the 6th of March this year, when Cameroon recorded its first COVID-19 cases, government efforts for barrier measures to be respected is still not visible in the market. And as our reporter told us, they visited the market and reports show that social distancing and wearing of face masks are shunned despite the numerous sensitization campaigns carried out. We hope the government will find solution to put this to an end. The National Association of French Mayors, in partnership with Cameroon's government, has donated anti-COVID-19 kits to some councils in the central region to accompany them as they are working for the safety of all during this period of a global health crisis. The gifts were handed over in the presence of the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilikeng III. Joyce Tata was part of the event. Councils in the central region are the first target through this gesture to curb the spread of the COVID-19 pandemic. The donation comprised of locally made face masks, hand sanitizers, hand washing stations, soap, buckets, and more to the 10 councils shortlisted. This is a local issue. We have to implement first the way of doing of person locally, because before waiting that
things will come from abroad. For example, we have to put the means in the local area to make the change. And we believe that through this initiative, resulting precisely from an agreement between the Association of Mayors from France and some local association here, it is a demonstration of the solidarity that we need. It is hoped that in the days ahead, many more councils in other parts of the nation will be reached with such aid, so everyone comfortably observes sanitary rules for the good of all. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. And we stay on issues that concern the new coronavirus. The authorities of the Northwest have embarked on an operation to monitor the effective implementation of the prescribed safety tips against COVID-19 in public spaces. Mercy Kusi reports that as part of the operation, Governor Adolf Lelela Freak has been out on an inspection visit to public spaces around Bamenda, where he reminded the people about the sanctions awaiting those not respecting the measures. Harry Potter. Governor Adolphe Lelela Freak has been combing through the bars, travel agencies, supermarkets and markets in Bamenda, making sure that everything is done right in line with the fight against COVID-19. He has been to all the quarters at the Bamenda Central Prison, sensitizing inmates about the disease and encouraged those fabricating face masks at the correctional facility. Since the opportunity of field visit today, to revamp the activities of the task forces that have been set up to shun away the virus from our communication and transport domain. Three of the COVID-19 treatment centers in the city received the governor with the assurance that necessary equipment are available to handle the pandemic. We call ourselves the frontline fighters, and that is what makes us vulnerable. But our self-personnel, we have learned methods of infection control just like soldiers going to war. Governor Adolphe Lelela Freak has emphasized that those who go against the COVID-19 rules will be severely punished. Et nous restons sur cette actualité. La lutte anti-COVID-19 ne ralentit pas dans les marchés et autres lieux de forte concentration humaine. La sensibilisation au respect des mesures barrières figure au rang des priorités. Malgré l'insouciance des populations, les agents de la mairie ne cessent d'intensifier des rappels à l'ordre. Cas pratique au marché d'Etoudi à Yaoundé, c'est dans ce reportage de Christelle Fouda. La pandémie à COVID-19 continue de dicter ses règles dans le quotidien des populations de la cité capitale. 4 mois après l'institution des mesures barrières par le gouvernement, c'est en mode relâchement qu'elle continue d'être observée dans les marchés de Yaoundé. Je porte le masque parce qu'il y a la maladie du coronavirus dehors. Comme nous sommes au marché, c'est réellement difficile. Tu peux avoir 10 clients, peut-être c'est seulement une seule qui porte, mais tous les 10 là même ne portent pas. Quand quelqu'un vient et qu'il n'est pas protégé, et c'est important, il lui dit que non, le port de masque est important, que ça permet vraiment de se protéger et de protéger. Le port du masque, le lavage des mains et le respect des règles de distanciation par les habituels des marchés, un véritable cheval de bataille pour les agents de la mairie de ville. Nous veillons en sorte que nos populations qui entrent dans nos marchés lavent les mains. En tant que gardiens, nous sommes obligés de veiller à des citoyens produits. On leur rappelle toujours l'importance du port du masque. Pour parler de distanciation, c'est un peu difficile, mais on parle. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Et ceux qui veulent mettre ça en pratique, mettent aussi. Pour éviter une flambée des cas de contamination, la sensibilisation quant au respect des mesures barrières s'avère donc impérative tant que perdure la pandémie. La contribution du réseau des maires camerounais pour l'économie sociale et la solidarité à la lutte contre le COVID-19, l'association des élus locaux, vient de manifester son élan de cœur à 20 communes de la région du centre. Voyons tout cela dans ce reportage de Michel Renaud, Ouandia.
Face à la pandémie du Covid-19, le réseau des maires camerounais pour l'économie sociale et solidaire voudrait contribuer à sa manière à la prévention contre cette pandémie. Parlant de la région du centre, la remise des kits de prévention a permis aux 20 communes concernées de bénéficier chacune de 10 cartons de savon, 1500 cache-nez, de lave-mains, de gel hydroalcoolique. Nous avons ciblé un certain nombre de communes. Cela ne veut pas dire que les autres sont exclus, mais nous allons progressivement, c'est en fonction de ce que nous avons reçu de l'AMF. L'accompagnement à l'égard du RAMSES par rapport à ce projet, c'est surtout de sensibiliser les maires, de les amener à collaborer avec les forces de leur territoire, donc à valoriser le potentiel endogène. En présidant la cérémonie, Achille Basile King III, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, a salué l'initiative du réseau visant l'achat des kits de prévention fabriqués localement. Ce don qui a été offert dans le cadre de ce partenariat a permis de mettre au travail des acteurs, des artisans, des couturières. Cette distribution va se poursuivre dans d'autres régions que sont le littoral, le nord, l'extrême nord, le sud-ouest et l'est. Et toujours au sujet de cette bataille contre le coronavirus, la contribution d'un entrepreneur du numérique, Jack Bonjao, ancien senior manager chez Microsoft Corporation, vient de présenter la deuxième édition de son ouvrage intitulé « Mes années Microsoft ». C'était au cours d'une dédicace en ligne animée par l'appui technique de l'IAI Cameroun. Daniel Menanga. Et si l'équation anti-Covid-19 se trouvait sur les pages informatiques? Hypothèse déjà évoquée, sauf que cette fois, c'est un Africain ancien de chez Bill Gates qui y pense. La dédicace de mes années Microsoft a eu lieu précisément parce que je venais de publier la seconde édition du livre. Je me suis dit, bah écoutez, ça pourrait être le prétexte précisément pour avoir cette discussion. Il y a eu beaucoup de jeunes gens qui ont inventé des produits pour aider à pallier ce problème du Covid. Jack Bonjao a été senior manager à Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique. Le logiciel, il a percé. Je suis responsable d'Ocean Innovation Center qui est basé à Kribi, c'est-à-dire une structure qui a été conçue pour accompagner les jeunes dans leur développement de logiciels. Et cette année, le forum a lieu le mois prochain, au mois d'août. L'Institut africain d'informatique, centre d'excellence technologique Cameroun, fait passer le message sur sa fenêtre ouverte sur le monde par la lumière des tech entrepreneurs en puissance. We now take you to the Southwest region where the population of the Boya West has express gratitude to the Southwest Development Authority, SOEDA, for their efforts in grading a 12.8-kilometer communal road that will link Bokwango to Bojango. Locals say the road project worth over 20 million CFA francs will permit farmers in the area to easily transport their farm produce for sale and also ease their movement to other localities in and around Boya. Giroje Nana spoke to them. As the saying goes, wherever a road passes, development follows. It is with this mindset that the locals of Bokwango, Bwasa, Likombe, Mapanja villages right up to Bojongo received the 12.8-kilometer stretch of road that was graded and made motorable by the Southwest Development Authority, SOEDA, as part of its initiative to promote development in rural areas within the Southwest region. The communities themselves had assured us when we visited the site, and they said, no, you can come and walk. And we think that that is a message that should go to the rest of our region. Government can only do this kind of activities if there is peace. The locals were encouraged to jealously preserve the road, which is an indicator of future development within the area. While the state is working to make it a tar, a complete tar, I think we should first of all give the proof that we can take care of what we have, and later on now, we ask for more. This new stretch
stretch of road will boost economic activity within the area and certainly improve on the livelihood of the local population. With this route, things are moving well in this village. People will sell their crops. People will travel well. So with this route, we are happy. During the handing over of the road to the community, the director of the Southwest Development Authority, Soweda, handed over a series of maintenance work tools comprising wheelbarrows, spades, rakes and cutlasses to the local maintenance committees for the road. They were urged to frequently mobilize their villages to carry out maintenance works in a bid to preserve this gift. Now, the Council of Ayos in the Nyong and Fumo Division of the Central Region has embarked on a crusade against urban disorder and unsanitary condition in the municipality. The campaign is the brainchild of Mayor Paul Biko Dongo and has been acclaimed by the population, who say could help make Ayos one of the cleanest towns in the division and the country. Gilbert Ongene traveled to Ayos and brought back the following report. Ayos, one of the five subdivisions in the Nyong and Fumu, is a transit town on the national route number 10 between Yaoundé and Betwa. Its strategic location gives it a special status as a must-stop area for passengers heading for the east and northern regions. We try to give our population an example to follow. The action will become an institution. Keep Ayos clean every Thursday here is thus aimed at taking the town to a different level. We want to transform this town, not for us, for our population. Apart from cleaning up roads and surroundings of houses and markets, the initiative also consists in fighting against urban disorder. Ayos should be a beautiful city, clean as others. Everybody's happy. They really want to work with him. It is expected that this initiative gathers steam and takes this town to the pinnacle of development. And the 2019 administrative account of the SWA Council has been examined with an evaluation on the expenses and perspectives for 2020. This was during a communal meeting Friday chaired by the Mayor Emmanuel Marie Jigden in the presence of administrative and local authorities. Victor Siga. During the council session, it was disclosed that the council, with a budget of over 3 billion CFA francs, had 1.570 billion worth revenue collection and over 1.184 billion allocated to expenses. We have adopted a new budget in last November 2019. For this fiscal year, we are conducting the execution of this budget. This has permitted the SWA Council improve the well-being of its population in terms of education, social actions, among others. The divisional officer of the Mefo and Afamba Division, Esama Embolo, called on councillors to double effort, adding that the mayor and his team will have to reinforce security and COVID-19 measures. The budget of last year, the execution has been good because with an execution over 18%, we are satisfied. Needs are many, so the mayor should do all now to satisfy population here in SWA. Rounding up the meeting, they said 2020 budget will be used to cover the lapses of 2019, and the different commissions put in place have been called upon to redouble effort. Et dans la suite de ce journal, mesdames, messieurs, je vous donne lecture de ce communiqué de presse rendu public il y a quelques instants seulement par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, porte à l'attention de l'opinion publique en date du 24 juillet 2020, vers 22h40, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment annexe de la trésorerie centrale de Yaoundé, bâtiment annexe abritant les services de contrôle et du traitement informatique des comptabilités de la circonscription financière régionale. Grâce à l'intervention prompte des militaires, de gardes et des sapeurs-pompiers appelés
mars 16 dernier. L'incendie a été maîtrisé vers minuit 20 minutes. Le constat fait état de la destruction d'un certain nombre de matériels et de documents physiques. Des mesures sont en train d'être prises pour remplacer dès ce jour 25 juillet 2020 des principaux matériels et équipements ainsi que du rétablissement par les services compétents de Eneo du circuit électrique. Une enquête par les services compétents permettra de déterminer les causes exactes de cet incendie. Enfin, le ministre des Finances tient à rassurer l'opinion et plus particulièrement les usagers de la circonscription financière du centre que toutes les dispositions sont prises pour une reprise normale des activités dès le lundi 27 juillet 2020. C'est signé du ministre Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Et dans le reste de l'actualité, l'aménagement de l'entrée sud de Yaoundé, l'acquisition des engins, des travaux publics et agricoles sont entre autres priorités parmi les projets de la mairie de la ville de Yaoundé en cours d'exécution. Le budget par ailleurs prévisionnel évalué à 37 milliards va connaître une baisse de 5 milliards. Annonce a été faite donc hier par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Atanganamissi, au cours de la section d'examen et d'adoption des comptes de l'exercice 2019. Augustin Guizana. Évalué en début d'exercice 2019 à plus de 27 milliards de francs CFA, c'est un budget dont le taux de réalisation se trouve fortement aujourd'hui impacté par la pandémie du coronavirus. En effet, du fait de cette maladie, le gouvernement a pris un certain nombre de visant la suppression des contributions des patentes, les taxes foncières et les centimes additionnels dans les municipalités. L'impact va également se ressentir sur le budget de 2020, consacré entre autres priorités à l'aménagement de l'entrée sud de Yaoundé, le projet d'acquisition des engins des travaux publics et agricoles. Le maire de la ville annonce que les prévisions adoptées au cours de cette session du Conseil de communauté passent de 37 à 32 milliards de francs CFA. Les programmes qui pourraient être impactés sont relatifs aux terrains de construction, aux constructions, à l'aménagement des voies et réseaux pour l'électricité. La session a également permis à Luc Messi à Tangana de faire le point sur le fonctionnement de la communauté urbaine de Yaoundé, notamment la nouvelle dynamique impulsée par l'exécutif. Il a promis d'être toujours disponible au service des 77 grands conseillers de cette communauté. Et nous restons sur le terrain des communes. Le compte administratif de l'exercice 2019 de la commune de Soie se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 2 755 647 494 francs CFA. L'examen de ce compte administratif et de gestion s'est tenu hier à la mairie de Soie en présence du préfet de la Mofoya Famba, Joël Igor Abanda. Au sortir de l'examen du compte administratif ainsi arrêté par le conseil municipal de Soie en novembre 2018, il ressort, pour ce qui est des recettes, que la prévision globale en 2019 s'élevait à plus d'1 930 000 000 de francs CFA. Mais le recouvrement effectif s'élève à 1 570 803 853 francs CFA, soit un taux de 81,34% sur la prévision. Et pour ce qui est des dépenses, en 2019, les prévisions de la mairie de Soie s'élevaient à 1 930 963 681 francs CFA. Nous avons eu un taux de recouvrement de 81%. Nous avons recouvré sur 1 930 millions qui étaient prévus, 1 571 millions. Et sur cela, nous avons effectué des dépenses évaluées à 1 185 millions. L'amélioration du cadre de vie des 30 500 habitants de l'arrondissement reste le cheval de bataille de l'exécutif communal. Nous demandons à l'exécutif d'aller de l'avant pour que le budget 2020 connaisse une exécution au-delà de ce taux. Un bureau des marchés vient d'être mis sur pied par la mairie de Soie pour la gestion équitable de ces marchés publics. Une initiative appréciée par le préfet de la Mofoa Famba qui a tenu à relever la montée de l'insécurité dans la ville universitaire de Soie.
Et place à la page magazine du 12h. Je vous le disais, nous mettons le cap sur la localité de Bamongon. C'est dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Le groupement s'apprête à vivre un grand moment de sa culture. Il s'agit du festival Machon. Pour l'heure, le village vibre au rythme des derniers préparatifs. Allons vivre l'ambiance de ce côté dans ce reportage de Jean de Dieu Coigne qui signe la page magazine du 12h. Situé dans l'arrondissement de Batcham, le groupement Bamongon appartient au groupement ethno-linguistique Ngembon du département des Bamboutos dans la région de l'Ouest. Pour valoriser son potentiel culturel et artistique, les fils et fils Bamongon venus des quatre coins du monde se retrouvent autour de leur chef, Sa Majesté Théodore Choupo Namekon, pour préparer le festival Machon. À une énième réunion préparatoire. Je voudrais que tout Bamongon et même tous les sympathisants du grand groupement Bamongon se sentent concernés. Que chacun se sente fier d'appartenir à cette communauté. À travers le festival Machon, il est question de favoriser la transmission de la richesse et la diversité culturelle Bamongon aux générations présentes et futures. D'où les grandes innovations pour la deuxième édition. Machon 2020, nous avions pensé au mariage collectif. Le but même, c'est le développement. Nous avons pensé à faire des points d'eau dans le village Bamongon. Nous avions pensé également à électrifier le village Bamongon. Le festival Machon 2020 intervient dans la crise sanitaire du coronavirus et toutes les mesures ont été prises par le comité d'organisation pour un bon déroulement du festival sous le thème « Identité ancestrale et socioculturelle, facteur du vivre ensemble pour le développement ». And it is with those lovely images of culture and historical heritage from Bamongon that we put an end to the midday bilingual newscast on CRTV News, on CRTV and CRTV News Sidoine. À demain, Gladys, avec le même plaisir, mesdames, messieurs. Merci de choisir la CRTV. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.